Salut à tous, c'est Capitaine Flamme de la CapiTV. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Capitaine l'écu. Donc, comme vous pouvez le voir là tout de suite, j'ai changé de pâte de texture. C'est juste pour essayer. Je verrai bien le rendu que ça donne. Après, je sais pas si j'avais toujours monté la luminosité, donc j'ai pas de torche à vous montrer. Bon, on avait dit qu'on continuerait par là. Alors, c'est un peu bizarre comme pâte de texture. Je vais essayer. Bon, qu'est-ce que je voudrais faire? Niveau fer, à mon avis, vu ce qu'on a déjà là, on va pouvoir avancer, voire terminer l'objectif mur de fer. Encore quelques ressources et puis après on va sortir d'ici. Et ce qu'on va faire, on va essayer d'aller explorer un peu pour trouver du cactus. Donc c'est pas par là, je sais bien, mais je vais voir s'il n'y a pas de l'eau. Parce que devoir trouver du cactus pour bah déjà pour faire pousser un petit peu s'il n'y en a pas assez, mais pour faire les blocs de laine. Prends toujours, hein, ça sert toujours. Donc j'ai fait 2-3 petits réglages, mais je sais pas si ça a fonctionné parce qu'en fait je trouvais que le son du jeu on l'entendait pas assez fort. Non, justement, on l'entendait trop fort et c'est le son de ma voix qu'on n'entendait pas assez fort. Donc j'ai essayé de baisser vraiment le volume du jeu au minimum. Je me casse les jeux. Bon, on va sortir d'ici. En fait, je viens de faire une pause d'une petite heure et j'aurais peut-être pas dû faire parce que je suis plus trop par ici. Donc, je vais changer tout de suite le pack de texture parce que j'aime vraiment pas. On va essayer autre chose. Celui de la saison 1. Changer un petit peu. C'est un peu plus lumineux parce que. Je viens de me taper un de ces flips. Alors, un truc épique. Je pense que c'est par là. Voilà. Pas qu'il me fasse tomber. Remonte.
Je vais essayer de parler aussi un peu plus fort pour que vous entendiez mieux, parce que je trouve que, enfin, quand j'écoute moi-même mes épisodes, ça me fait rire, parce que je trouve que ma voix, on dirait vraiment que j'ai pas dormi depuis 3 jours. Je vais faire gaffe à ça, j'ai entendu un bruit d'araignée, c'est bizarre. Toujours la nuit. Attaque dans le dos, c'est pas très fair play ça, je trouve. Ah oui, j'ai pas pensé, je dois encore enterrer, enfin enterrer. Je dois faire une croix pour quelqu'un. Attendez, le faire pose là. Je vais vite fait sur internet. Et je vais pêcher quelqu'un au hasard. On va aller sur l'épisode 4. Reprend et voilà Ders 39. La cobble, j'ai une feu. Un stick. Et une pancarte. Voilà. Pas tuer lui parce que je ne vois pas qu'il veut peut-être pas tuer moi. Il est une sale gueule le truc là. Non, ne pète pas. Je fais la croix et puis après je foule les zombies. Une technique pour plus me casser les jambes. Voilà. Ici, repose. Vers 38. Bravo. Et merci de commenter. Enfin, c'est le bordel. Voilà, ça se passe pas trop mal pour le moment. On va rusher. Il faudra pas que je meure, hein, ce serait dommage. Bon, on gaspille, on là. Ça remonte vite. Je sais plus si j'avais trouvé une balle de choc. Je vais taper quand ce sera la journée, je vais venir, j'ai déjà récolté un peu les laines de ces. Et puis après on ira en quête de. En quête de cactus pour faire par contre je pense même qu'à moins que je gagne ma vie c'est si je teins le mouton et que je récolte directement dessus bah, je pense que j'aurai plus de blocs donc ça a testé c'est pas sûr ça. On va tester ça tout de suite hein. Je vais aller chercher. Par contre, je vais déjà faire pas mal de blocs de fer à ceux que j'ai déjà. Et le lapis aussi. Donc, il me semble que le lapis. Ben non, je pensais que la recette avait été simplifiée. Mais non. Que je fais
je vais user tout le stack qu'il y a ici. Et voilà. Pardon. Et on va aller ici. De l'autre côté. On va déjà poser ça dans la salle. Donc alors le fer, c'est ici. Voilà. Si je me rappelle bien, le lapis, c'est là. L'or, ici. Là, c'est l'obsidienne. Les noirs, les mercurons. On va aller tester si on teinte le mouton. Si on gagne plus. Voilà, comme ça. Il me faut faire un petit peu près. On va faire une cisaille. Voilà, on le noir. Non, la poêle est pas vraiment. En tout cas, là, on tape le cochon. Ah, j'ai pas pensé à ça. Je l'ai fait sortir. Non, ne pète pas. Allez, viens. Approche-toi. Je puisse te mettre le coup de fatale. Je ne veux pas sortir, parce que c'est moi qui vais sortir. On va rentrer ici pour la cisaille. Et là, je fais une connerie. Et non, on n'a eu qu'un seul. Ah non, c'est mon livre. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va casser la main vite. Non, le sort. Non, ne sortez pas. Qu'est-ce que j'ai foutu? Maintenant, vous allez tous rentrer. Si vous voulez bien, mais j'ai plus. Oh, j'ai fait le con. J'ai fait le con. Donc il va falloir vraiment que je fasse une porte barrière parce que je sais plus du tout comment je vais faire pour sortir ça. Donc, là. Ah. Allez, dis où c'est de la même couleur. Ça c'est bien. Des canards, des cochons, des vaches. Je
Yes, je termine déjà un but. Ça c'est bien. Il me faudra encore de la laine rose. Et attendez, je suis en train de réfléchir parce que j'ai fait le fond pas mal de choses, qu'il m'en restait un peu, je peux même peut-être finir. Avec le charbon. Je vais faire encore un bloc. Merde, il manque. Ah bon, il reste un peu. 15 plus. Ça en fait 30. Oui, je peux terminer. D'un côté, je fais bien ça pour avoir ça retiré hors de... hors des pieds, mais d'un autre côté, il y a... j'ai besoin de pas mal de fer quand je réfléchis. Voilà, ça c'est good. On avance bien. Je vais aller faire les roses. Donc ça, ça cuit. Alors... oh, la laine. Je suis content, les objectifs avancent bien. Il faudrait encore que je trouve un deux diamants pour pouvoir faire le mur en obsidienne avec la pioche en diamant. C'est moi qui que je peux voir ça, je garde ça aussi, je garde, je vais ranger. Alors pendant que ça cuit, on va aller faire pousser le blé. On a rajouté pas mal de... oh non, je sais ce que j'ai fait, une fouille pioche, c'est ça qui me manque. Alors, du bois et de l'arc-en-ciel. Voilà. On va faire ça. Je suis à 100 BT. Si on peut retinter les moutons. On peut pas. C'est mauvais. Tirer ça. Comment vous ne sortirez pas? Excusez-moi, je vais pouvoir couper 2 secondes que je puisse me moucher, parce qu'il y a mon nez qui coule. Me revoilà, désolé. Faire
sont les 32. Voilà, là c'est bon. Et voilà. C'est bon aussi. Alors, 32. Pas mal tout ça. Bon, qu'allons-nous faire? Ça, je peux ranger, j'ai plus ça. Ah oui, il y a bloc de fer. Il m'en manque encore un petit peu. Voilà, comme ça le fer. Ça en est fini. On va prendre la teinture avec nous. La rose et on va aller chercher des moutons et du cactus pour pouvoir faire la laine verte. Je vais regarder aux alentours. Donc j'ai pas encore été visité. J'ai des épées de rechange. Ça c'est bon. Allez ici tout le long. Non, rien ici. Bon, on va aller grimper. Je sais pas pourquoi je le sens bien là au-dessus. Ça monte pas mal, ça a pas l'air fort naturel comme truc. C'est le concepteur qui a dû créer ça. Allez, monte. Allez, plus vite! Mon dieu, que c'est là-bas. Oh, de la canne à sucre. Toujours la prendre. Ça va, on va pouvoir faire un petit champ pour les faire pousser pour avancer dans la bibliothèque qu'on va faire pour mettre la table d'enchantement. Vraiment la blinde, comme on dirait chez nous. Encore là au-dessus.
en a vraiment beaucoup. J'ai l'impression d'avoir un message. Je vais voir ça après. Alors. J'ai entendu un squelette, il me semble bien. Une critique. Pas que j'aille trop loin non plus, parce que sinon je vais me paumer, je vais jamais finir ma maison. Sortir les pas en bois. Non, c'était pas par là. Parce que j'ai pas encore joué beaucoup sur la map, même en dehors de la saison. Enfin, j'ai juste fait un petit tour avant de commencer la saison. Je l'avais trouvé magnifique, c'est pour ça que je l'avais choisi. Mais j'ai vu une carte. Géante, je sais pas comment dire, qui représentait enfin une map de toute la carte, et c'était vraiment monstrueux. Et il me semble avoir lu que c'est une trentaine de biomes qui ont été implantés, un travail assez colossal, même si je ne connais pas bien niveau mapping, mais bon, ça doit être quelque chose quand même. Donc on va essayer de retourner par là, on va aller dans l'autre sens. Par là. Là-bas, si je me souviens bien, il y a une autre maison. Et je m'améliore au niveau orientation de saison en saison. Et je suis déjà niveau 11. Hein. Allez voir là au-dessus, s'il n'y a rien. Il ne faut pas que je meure. Faut manger de la bouffe. Non merde, je suis empoisonné. Je vais juste reprendre des cœurs. Bon bah c'est que c'est pas de ce côté ici. On va rentrer chez nous, on évite un contact. Oulalalalala. Ils se sont donné rendez-vous. Je sens que je vais sprinter jusqu'à la maison. En sautant, mais quand je vois le nombre de mobs qui est autour de la maison, voilà qui est fait. Bon, on aura 56 qu'on a ce qu'on a. Beau score. Donc, on va se quitter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. C'était l'épisode 7. De la saison 2 de Capitaine Cube, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Salut à tous !